C'est un tubercule qui est très présent dans la cuisine rodriguaise. Zodi, dans Rodrigue, sa plantation fait à l'eau petite échelle. Dans Béozuit, Père et François, chaque année, les spécialisent dans sa production-là. Zodi, dans Fonker, nous permet nous à découvrir pommes de terre sur l'origine. Bonsoir et bienvenue. Pomme de terre, c'est un tubercule comestible qui peut produire par l'espèce Solanum tuberosum. C'est une culture annuelle qui vient dans presque toute la terre, mais il préfère ban sol léger qui est légèrement acide. Dans Rodrigue, sa production peut faire à petite échelle. Dans Béozuitre, Perrier François engage-lui dans sa production-là depuis une quinzaine d'années. Plus que 15 ans, vous plantez pomme de terre. Plus que 15 ans. Et mon papa a replanté aussi parce que dans la pomme de terre, il trouve et dans ce bon. Il est bon. Il a dit qu'il n'est pas content. C'est difficile. Il y a un légume qui est difficile de faire venir. Mais seulement, quand on, si on compte faire venir, on peut s'agrandir si on ne peut pas planter. À cause, quand on récolte, vous connaissez tout le travail que vous faites, c'est déjà où sème avec l'arbre. Et quand vous moissonnez avec joie. Quand nous récoltons les pommes de terre ici, c'est une joie immense, ça. Immense, extraordinaire. Et dans une famille, mes camarades qui viennent donner un coup de main, nous sommes contents de faire un joke. Nous, extra, là, nous trouvons les pommes de terre, là, sont en bas de la terre, sont grosses, elles étaient extra. Mais pour ça, l'année, là, nous avons bien gagné, pas mal, bien travaillé. Bien... Mais quand tu as planté ça l'année, là, monsieur? Moi, je plante combien à peu près? Un 1500 livres, là. Oui, c'est qui m'a planté. Tous les années, moi, j'ai planté 1500 lits même. L'année dernière, moi, je prends 1500 même. Tu peux dire, pas de gain, rien. Zéro, zéro voix. Zéro même, pas trop du tout. Mais ça, l'année là, je travaille, je gagne. Récolte de mon quantité. Oui, c'est bon, parce qu'en TMCM, il téléphone moi, je tellement personne demandé. Je dis, comment vous trouvez? Moi, j'ai dit, la semence extra. Si nous gagnons ça, la semence ça encore, qui veut dire, nous, pouvons travailler. Vous faites une bonne production, comme il est tonne. Fait à peu près 2 tonnes par là. Nous pas dire 2 tonnes, nous, parce que nous n'avons encore pour récolter. Nous faisons à peu près 1,5 tonnes, mais nous n'avons encore qui pour une eau là. Oui. Mais sinon, monsieur François, pomme de terre, qui calte la terre qui dit content? Ça, nous besoin sur la terre, sur préparation, besoin bon la terre, besoin bien préparé, besoin bien raffiné sur la terre. Pour tout gagner pomme de terre, pour lui une belle comme ça là, toute la terre bien raffinée. Il n'est pas planté dans la terre rose, ni la terre boule, ça. Ça besoin bien raffiné, bien préparé avant, et là tu mets toute la semence pomme de terre. Ouais, là, la pluie est tombée bien, la terre bien raffinée. Et nous, ici, nous, la terre bien raffinée. Nous, la terre du sable, mélangée avec du sable, ça. Ouais. Et combien les temps? Quand on se met, quand on fait rien? Je peux dire où on a fait, qui ou pas pourquoi. Je peux dire pour tout le monde entendre. Tous les années, nous plantons pommes de terre. Quand nous plantons, pommes de terre, en principe, ce duraison, c'est 3 mois. Moi, je plante pommes de terre, ça, l'année-là, ça la semence à 2 mois, 5 jours à peu près. Nous récoltons pommes de terre. Extra! La saison de mort, ce n'est pas ça? Non, pas de la saison. Je veux dire qu'il ne fait pas de la saison. Quand je plante, la pluie est tombée. La terre est désaffrée. Mais après qu'il me mette la terre, je vais faire pousser Z2 depuis Z2 jusqu'à récolter. Mais nous n'y a rien. Après, quand les pommes de terre sont préparées, les autres qui m'ont planté, qui sont dans la pluie, là, ça ne m'a pas arrosé du tout. Mais ceux qui m'ont récolté, premier là, ça m'a arrosé depuis nous mettre dans la terre jusqu'à nous récolter. Mais quand même, ça, c'est vraiment une bonne. Pas de problème maladie? Pas aucun problème maladie. Je dis, en TMC, seulement, il demande mon pomme de terre. Je dis, ni l'eau sur feuille, ni l'eau sur pied, pas aucune maladie. Ni racine, pomme de terre là, il est sain depuis qu'il a commencé. Si nous faisons spraying, là, il faut aussi une fois ou deux fois. Pas de bizarre même. Il y a un trouvé là-bas pour dire qu'il faut pomme de terre. Bon. Là, je dis, si nous gagnons, c'est même la semence, l'année prochaine, nous pouvons travailler. Cette année, donc comment tout ben planter ben la population rodriguaise manquer. Donc au commencement nous finissons une saison qui est assez sec et puis par la suite nous gagnons une période que nous gagnons beaucoup la pluie, trop même, je veux dire pendant une période. Et puis après ça nous
gagne une période plus ou moins abordable avec une petite période de la pluie du intermittent de temps en temps. Donc ça, les fines encouragent, surtout après la grosse pluie qui peut gagner. Donc par la suite, nous ça finit encourage ben, pour planter. Surtout pour la pomme de terre qui est concentrée surtout dans la partie haute de l'île. Donc sur les terrains, ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'il ne fait production cette année-ci. Donc nous pouvons remarquer que la pomme de terre pousse bien, rapportée et il gagne un bon rendement. Et ça fait une cause surtout pour la période de la pluie qui nous a gagné au commencement de la saison, qui a bien démarré. Et pour la suite, nous n'avons pas trop gagné de problème avec insectes ou maladies. Sauf un des plantiers qui fait gagner le problème de bactérial wilt, mais il est assez localisé. Mais en général, pour pommes de terre, cette année-ci, nous avons déjà qu'il y a une plantier, une piatane et une faire une récolte assez. Comme vous voyez, c'est assez bon, donc comparé avec ben, l'année précédente. Donc, pour le nombre de planteurs, nous finissons une cinquantaine de planteurs qui passent commande pour planter pommes de terre. Mais pour la suite, il y a un des qui vu que certaines places, la pluie tient un petit peu rare, donc ça va diminuer, je ne plante de pommes de terre. Mais quand même, il y a le zéro du monde qui ne planté. Donc là, nous allons dire qu'il même ben semence qui ne prend parce que tout une trouve preneur. Donc ça montre qu'il même du monde n'a pas pu planter beaucoup, mais toujours le ben tissier phase de péréci faire une production. Pour cette année, nous avons atteindre une récolte environ 5 à 6 tonnes de pommes de terre qui sont capables de gagner cette année-ci. École pomme de terre, monsieur François. Hein? C'est un secret derrière. Secret là, écoutez, secret c'est quand vous êtes dans l'amour, pas chance. Parce que vous n'avez pas qu'à mettre un produit. Et tous les trois, mon garçon travaille. Secret pour gagner quelque chose, c'est l'amour et pas chance. Si vous prenez un enfant, quand vous avez un enfant, pas besoin de s'en solange, vous pas besoin de mettre dans propre quand il sale, il plairait. Ça aussi, quand il sale, il n'est pas content. Hein, légumes là. Si vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la patience, parce que les légumes ne peuvent pas venir, j'ai promis là. Bizarre rosé, il y a de moutier combien là. Bizarre rosé, sa patience qui est là, sa cour est dans le chilet, ou une guette, pareil comme les enfants. Sa cour est une guette, ou une occupée, ou une cause de tout. Et là, vous avez quelque chose. Vous croyez que vous promis là, non, mais là, non, du tout. C'est là, les rien que vous pouvez faire, c'est de dire, vous mettez un légume là, vous allez, après vous avez une guette, non. Ou bizarre. De ce qui est bizarre, ou bizarre, rose-li, gratte-li, mettez dans propre, elle est là, ou est bon. Mais qui va nous souhaiter pour l'avenir, monsieur François? Non, mais je vais continuer le travail, moi, je vais continuer le travail parce que je vais mourir de la terre. Je vais mourir pareil, comme on dit, on dit qu'on est un pour les marier. Je ne pas pour marier de la terre, mais je suis content de travailler la terre. Parce que je vais vous dire que tout le monde qui dit où, quand vous s'aimez, vous s'aimez avec l'âme, il est fatigué quand vous s'aimez. Mais il y a la joie quand vous pouvez récolter. Ça même qu'il y a une plante, il n'y a pas qu'à quitter la terre. Il n'y a pas pour quitter la terre parce que quand il récolte, il y a bon. Sa récolte là, c'est sur la joie. C'est une plante, il récolte, il y a la joie quand il récolte. Et ce qui a été produit qu'il récolte, c'est ça qui fait la joie. Pomme de terre, sur l'origine, c'est Cordillère des Andes, Pérou, en Amérique du Sud. Son utilisation les remonte à environ 8000 ans et aujourd'hui, l'IP cultivée dans environ 150 pays.